Où est-ce qu'on est, franchement? Ok. Qu'est-ce que c'est que ces symboles? Qu'est-ce que c'est que Je sais pas, on dirait le... Ouh! Ah, c'est super, on est vraiment dans l'ambiance. Je vous invite, si vous pouvez, à éteindre les lumières, fermer les fenêtres. Les petites animations sont d'enfer. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais pas, mais ces petits symboles-là me plaisent guère en tout cas. Allez, go. Oh. Oh non, c'est de la folie. Ok. Il y a un truc là. Qu'est-ce que t'as trouvé, ma belle? Ce masque de nom traditionnel représente une méchante femme à l'apparence de démon. Pivoter. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Ok. Ok. Ah, il y a une carte. Progression 2%. Génial. Masque de Anya. Ce masque de notre ici représente une méchante femme. Ok, il y a plein de trucs en fait. Okay. Regardez-moi les graphismes. Ils sont superbes. Franchement superbes. Alors, ici encore un coffre. Oh, l'instinct, la contenapie. Il n'y a rien. Génial. C'est vraiment superbe. Donc, on va brûler ça. Wow, le petit ouf qui, vous savez, le petit ouf quand le feu prend. Ok, des carcasses animales. Ok, il faut que j'aille là. Ah, je crois qu'elle vient de choper un nouvel ustensile. Alors, nouvel équipement acquis, le piolet. Ah, c'est là la musique, regardez. C'est bizarre. Ok, efficace le piolet. Donc on va certainement devoir le faire aller sur l'autre porte ici. Ouais. Alors j'espère que ça va toujours avancer comme ça parce que je déteste escalader dans les jeux, je vous avoue. J'aime bien quand ça progresse tout doucement, mais sûrement. Ah, les effets de lumière sont d'enfer. L'ambiance est d'enfer. Je vous le conseille vivement. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à le faire et à vous le faire partager. Je vous l'ai déjà dit, hein, quand je fais ça, c'est uniquement des jeux qui me font plaisir. Je ne ferai pas un jeu que j'ai pas envie de faire. Je vois pas l'intérêt. Et comme j'allais le faire quand même pour moi tout seul, alors je vous le fais profiter. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ok. On va grimper. Non. Ici peut-être. Non, en fait il y a un plafond, alors pourquoi est-ce que... Ah ben non, je suis con, il y a une échelle. Voilà, elle est grimpe. Je crois que je vais essayer de vous mettre le jeu quand même avec un son assez fort. Je sais pas si ça vous plaira. En général, quand on met le son trop fort, on reçoit des remarques. Mais l'ambiance sonore est vraiment exceptionnelle. Là, on entend les insectes. Alors, maintenant, pour éteindre la torche. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est vrai qu'il y a un feu de camp. Elle avance tout doucement. Elle veut plus courir. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur.
Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Ça me semble suspect, ça. Il a une sale gueule. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la reine solaire. Oui, Nico. Vous pouvez m'en dire plus? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la reine Nico régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Nico était superbe. Énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du secret dans les livres. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs. Les guerriers samouraïs. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. Il dit que la reine ordonnait au soleil de se lever et qu'elle régnait sur tout ce qui touchait de ce rayon, depuis les montagnes. Je crois qu'elle va s'endormir. Eh ouais, bingo. Ouais, je crains le réveil. Je sais pas vous. Ah ouais, c'est bien ce qu'on semblait. Je m'y attendais. Génial. Ils sont de nouveau disparus. Il me semble bien qu'il était louche, le gars. Aïe! Je crois que ça va être à moi de jouer. On ne sait pas employer l'instinct animal. J'ai déjà armé la flèche. Ce qu'il est. Bingo! Je crois que je l'ai eu. Hop, j'ai eu en deux fois. On va recharger la flèche. Ça arrive au ralenti, donc ça va. Il est là. Bingo! Et c'est pas mal. Il y en a encore. Oh, c'est excellent, j'adore. Alors, plus 110 points d'XP, c'est bon. Ah, c'était super. Attention. Ok, tous ces potes sont là, ils sont armés en plus. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, oh, 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 hé, pour Ross. Hé, pour Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça? Il serait mieux de le donner à Lara, oui. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Et moi, j'ai pas de droit d'arme. Ok, je peux rester avec mon arc à flèche et avec. Est-ce que ça va aller? Le mec, elle aime pas en fait. Juste besoin de me reposer une minute. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un œil. Ok. Ouais. Ok, bah, jeter un œil. Mais un œil à quoi? Alors, continuez à avancer, rattraper Whitman. Alors, on va voir si j'ai pas eu quelque chose d'autre, une compétence en plus, je sais pas. Alors, 0 point de compétence, Wind de la forêt. Je suis archéologue. Je fais partie de l'équipage de l'Endurance qui a fait naufrage sur une île dans le
affluent du Drachon, à l'est du Japon. Cet endroit est incroyable. J'ai vu des épaves vieilles de plusieurs siècles. Nous n'étions pas les premiers. Ok, allez, go. Alors, c'est quoi ça? On va faire... Oh, il y a un truc là. Alors, feu requis pour enflammer cet objet. Il me faut une torche. Ici, un livre. Ça me semble suspect, il me semble bien. Alors, galerie débloquée. Ok, j'ai pas envie de dire tout ça. Je vous avoue. Alors, de nouveau des flèches, on va les prendre. Pourquoi t'es pas monté? Ah, voilà. Ça ne me dit rien qui vaille. Oh, je me suis ramassé. Alors, je vais retourner à, au camp, parce que j'ai trouvé un bâton, je crois, donc pour allumer. Donc, il était ici. Voilà. Ah, là, je peux ouvrir le piolet, on va le faire après. Ici, pour allumer la torche. Là, on va brûler ça. Alors, je sais pas ce que ça va faire, mais bon. Ok. Matériaux. Ok, j'ai trouvé des matériaux. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Ici, on ouvre ça. Piolet trop fragile. Pour vous faire un piolet plus solide, récupérer des matériaux pour améliorer le piolet. Ok, merde. Ça a l'air assez ouvert. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez ouvert. On fait un peu ce qu'on veut. Il faut aller sur la colline. Ah, là-bas, il y a... Récupérer des matériaux. Alors, 42 matériaux. Ben, il y a un truc qui est bizarre. Je sais bien que je m'égare, mais j'y vais quand même. Quelle attaque ennemie? J'aime pas la musique qui vient de s'activer. Alors... Ouais, j'ai croisé un loup et il faut que j'appuie sur rond en même temps. C'est chaud ça. Là-bas, il y a des matériaux. On y va. Ouais, ils sont cassés. Bon, je sais pas remonter là. On va pas se les affronter, voilà, ça sera plus simple. Oh, de sale bête! Je m'y attendais pas. Ouh, j'ai raté. Je suis tombé. Allez, go, go. Bingo. En voilà un. Skill est l'autre. Non, 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 tu vas pas me bouffer, toi. Voilà, on va aller les dépecer. Mon avis, ça va rapporter des points. Je me suis fait quand même toucher une fois. Oh, on voit pas. 30 points d'XP. Il y en a un autre là. On va pas les louper parce que je sais pas à quoi exactement sert cette XP. À mon avis, pour récupérer des points de compétences. Ouais, ça doit être ça. Ok, on y va. C'est là-bas. Ouais, allez, go. Ah, il m'a surpris à sauter au-dessus du trou. Je m'y attendais pas. Il y a des flèches partout, donc pas de souci. Question flèche, on est blindé. C'est quoi ça? Et je le fais le pimpin. Il se casse ce con. Bon, tant pis. Il
Là, il y a de nouveau un coffre, mais je sais pas l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, mon pote? Je les ai déjà vus. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. Ouais. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. En jugé par ces épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à essayer, ils ne finiront pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Y a pas de poignée. Allez, go. Ensemble. Ah non. C'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. Ok, toi tu bouges pas. C'est pour moi quoi. Alors, trouver un camp et améliorer le piolet. Ok. Alors, le camp. Ah bah il est juste là à côté, magnifique. Alors, améliorer le piolet. Matériaux. Utilisez les matériaux récupérés pour améliorer votre équipement et vos armes dans le menu équipement. Continuez. Alors, renforcement, renforce le piolet pour qu'il puisse servir manivelle. Acheter 50 de matériaux. Ok, c'est fait. Alors, nouvelle amélioration installée, renforcement. Là. Voir les catégories, je n'ai que ça de toute façon. Ici. Voir amélioration tige renforcée, corde renforcée. Qu'est-ce que ça va faire? Alors, tige renforcée, l'arc de tige renforcée permet un tir plus puissant, entraînant plus de dégâts. 250, mais j'ai loin d'être ça, je n'ai plus que 10. Ok, bon, je vais rien faire du tout. Donc on quitte et on va essayer de continuer à récupérer quelques matériaux avant de continuer l'aventure. Parce que maintenant je peux ouvrir les coffres. Donc je vais aller retourner au TPU pour chercher le coffre. Okay. On va voir si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, il n'y a rien. Mais je vais retourner au début parce que je sais qu'il y a un coffre là-bas. Ça pourra peut-être m'être utile. Alors, c'était par là, à gauche. Regardez quand elle court, elle est vraiment pas mal. Quoi. Ok, je ne les ai pas laissés approcher ce coup-ci. Je me suis pas laissé faire. Là. Alors, c'était, je suis plus tout à fait sûr du chemin, mais bon, on va aller voir par là, de toute façon. Tant qu'à faire, autant profiter maximum de l'aventure. Ah oui, il y avait ça ici tantôt. Je me suis cassé la gueule lamentablement. On va aller voir c'est quoi qui est sur ce mur, ça m'intrigue. Allez, go. Ah, mais j'y suis passé. Oui, j'y suis passé. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, il n'y a rien à faire. Ah, j'aimerais bien revenir au début, mais je ne sais plus exactement c'est où. C'était par là. Oui, c'était par là. Allez, go. Go, parce que j'ai envie d'ouvrir le coffre. Bon, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans, mais... Ça peut être intéressant. C'est par là. C'est par là. Et voilà, on y est. Voilà. Et 50 de matériaux, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, c'est quand même pas négligeable quand on voit qu'il faut 250 pour améliorer le truc. C'est pas négligeable du tout. J'aime bien la façon dont elle se déplace. C'est franchement pas mal. Que j'avais pas vu garder, elle s'est passée comme ça rapidement. On dirait qu'elle donne des coups d'épaule là. Il est en train de me tourner autour ce con. Oh, non, ce que t'es. Ouais, ça va, j'ai eu.
À chaque fois que je repasse là, s'il y a des loups, ça va être un peu sous loin quand même. Bon, ça fait gagner de l'XP. Hein. Alors, un point de compétence, trouver un feu de camp. Donc, ce sera prochain feu de camp. Je vais pas me casser la tête, mais non. Et celui-là. Pourquoi est-ce que je sais pas le dépiauter, celui-là? Ok, on s'en fout. Allez, go. On va avancer un peu dans l'histoire, parce que là, je suis en train de tourner en rond. Mais non, je sais faire tourner la manivelle. Les flèches, voilà. En fait, j'ai 19 flèches, c'est pas mal quand même. Fameux carquois. Hein. Où est-ce qu'il est le mec? Il a disparu, il s'en fout, on fait ça tout seul. Allez, go. Ah non, il était là, je l'ai même pas vu.